parle de ce qui s'est passé avec Ethan. Je suis désolée, vous savez. Cette trompette, je voulais pas lui faire de mal. Je suis désolée pour toi, mais je me sens plus de te garder ici maintenant. Prends toutes tes affaires. Je t'en vais demain. Au revoir. Il m'a dit de m'en aller. C'est pas toi qui lui as dit, rassure-moi. Non. J'ai rien dit du tout. D'accord. C'est comme ça. De toute façon, cette baraque est nulle. On trouvera mieux la prochaine fois. Mais... J'aimerais mieux rester ici. D'accord. T'as qu'à rester. De toute façon, j'en ai marre que tu me colles. The wood is old. Walk by the sun. Starting to crack. Now I see through. A sudden calm comes over me. You realize that maybe I could possibly escape this place, deliver me, and finally, yeah, I burn, yeah, I sigh, yeah, I feel your life, your foe, yeah, I crave, you fall. Trésor, pas de ballon à l'intérieur. C'est le mobilier de ton arrière-grand-père, tu dois faire attention. C'est chez nous maintenant, hein? Oui, grand-mère nous a tout laissé. Mmh. Mais tu dois quand même faire attention. Oh. Un jour, Trésor, cette jolie maison et tout ce qu'il y a dedans sera à toi et à Caleb. Et vous aurez sûrement envie de la léguer à vos enfants et eux à leurs enfants. Mmh. Alors tu dois y faire attention. D'accord. C'est bien, t'es gentil. Mmh. Fais attention avec ton ballon. Wow. Ça a fière allure, lapin d'amour. Ouais, je sais. C'est dingue. J'adore cette maison. Mais j'ai du mal à réaliser que ma grand-mère me l'ait léguée à moi et pas à mes cousins. Je crois qu'elle avait compris à quel point maison et famille sont importants pour toi. C'était une femme pleine de sagesse. T'as raison. Tu sais, mon rêve,
ce serait de rester à la maison avec les enfants au lieu de devoir recommencer à travailler. Une fois que mon affaire décollera, tu pourras arrêter de travailler. J'ai hâte. En parlant de ça, faut que j'y aille. Le prototype vient d'arriver. Ah, super. Je t'aime. Bon, moi aussi je t'aime. Je vais avoir besoin de ça. Ouais. Merci infiniment, ma chérie. Amuse-toi bien, Alan. Sois sage, hein. Bisous. Au revoir, papa. Au revoir, je t'adore. Moi aussi. À ce soir. Passe une bonne journée, mon amour. Merci, je vous retrouve ce soir, mes chéris. Je t'aime. Moi aussi. À ce soir. Alan, Trésor, pourquoi tu n'irais pas voir la cabane dans l'arbre? J'y vais. Ça va, toi? Alan, Trésor, éloigne-toi de la balustrade. D'accord. Allons-y. Qui pourrait me recommander une super nounou? Je cherche, pour deux adorables garçons, une nounou à temps partiel. Ah, oh, fumer, non. C'est dégoûtant. J'offre le logement sur place, plus les repas et une petite rétribution. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Jen. Jennifer Russell. Envoyez. Voilà. Ah, c'était rapide. Bonjour, j'ai vu votre annonce. Et je pense que j'ai peut-être la personne qu'il vous faut. Elle s'occupait de nos deux fils, mais nous allons déménager dans une autre ville. Moi, ça me paraît parfait, ça. Qu'est-ce que t'en penses, bébé? Hein? C'est parfait. Alors, à ce week-end. Nous allons réfléchir avant de prendre notre décision, mais... On a été ravis de vous rencontrer et on vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous voir. On vous recontactera. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce que t'en dis? Je veux pas d'aller là. Pas arrêter de m'appeler Alex. La suivante, c'est... Ah. J'ai toujours rêvé d'en avoir une comme celle-là. C'est la mienne. Bon, je veux bien te la rendre si tu me fais un top-lac comme un grand. Et voilà. Je suppose que vous êtes les Wells. Oui. Oui, et vous êtes... Jen Russell. Ah. Je suis ravie Bonjour, de vous rencontrer. Comment allez-vous? Ravie de vous rencontrer. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, merci. Je m'appelle Faye et voici mon mari Tim. Et nos enfants, Alan et Caleb, dans sa poussette. Vous avez beaucoup d'expérience pour quelqu'un d'aussi jeune. Oui, j'adore les enfants. J'ai grandi avec plein de frères et sœurs, alors j'ai toujours fait du babysitting. Du coup, quand je suis venue dans le coin, ça m'a paru évident de payer mes études en faisant ça. J'ai étudié la psychologie à l'université. Oh, wow, c'est génial! Et vous êtes restée chez les Harper pendant... 3 ans. Oui, j'étais la nounou de Ben et Mark, mais maintenant ils vont partir, alors... Bon, écoutez, ça aurait été difficile qu'ils soient plus dithyrambiques que sur vous. Tous ceux chez qui vous avez travaillé vous ont vraiment adoré. Oui, mais avant d'embaucher qui que ce soit, nous vérifions les références et les antécédents. Vous n'y voyez pas d'objection? Oh, non, 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 bien entendu, on n'est jamais trop prudent. Oui. La seule chose, c'est qu'en fait, j'aurais besoin de le savoir vite. Les Harper déménagent bientôt. Ah, pour tout vous dire, vous avez l'air d'être parfaite pour nous. Il nous faut quelqu'un vite parce que je reprends le travail dans quelques jours. Ah, je comprends. Je sais pas si Madame Harper vous l'a dit, mais nous avons besoin de quelqu'un à temps partiel. Du coup, on ne donne qu'un petit salaire et on vous loge et on vous nourrit gratuitement. Oh. Je crois que ça doit pouvoir le faire. D'accord. Génial. Bon. Alors, on vous tient au courant très vite. D'accord. Chouette. À très vite. Oui. Merci infiniment. Bonne journée. Oui. À bientôt, Alan. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est gentille. Oui. Eh bien, on verra. Bonsoir, Jen. Bonsoir. Ne restez pas dehors. Laissez-moi prendre votre sac. Ah. Merci. Oh, fait. Oh, cette vue est incroyable. Cette maison est stupéfiante. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Merci. Oui, je trouve, moi aussi. En fait, c'était la maison de ma grand-mère et mes parents, eux aussi, ont vécu là. On est là depuis quelques semaines, mais je commence à me sentir chez moi dans cette maison.
Venez, on va aller visiter votre chambre. Ah. Bonsoir, Jane. Je suis contente de vous revoir. J'espère que la maison vous plaît. C'est gentil. Vous allez bien? On descendait. J'allais lui montrer sa chambre. Ah, super. Parfait. Cette maison est ravissante. Est-ce que vous l'avez décorée vous-même? Disons que... elle a été décorée un peu par ma mère et un peu par moi. Mais je la trouve harmonieuse. Et voici votre chambre. En fait, on a prévu de rajouter quelques meubles, mais... c'est magnifique. Et ce lit, tout est incroyable. Oui, et pourtant, Tim voulait se débarrasser de certains meubles, mais... j'ai redonné un coup de jeune au mobilier. Et je pense que je l'ai sauvé. J'adore ça. Donner une seconde chance aux choses. Oui. Viens, Jen, viens voir ma chambre. Génial. Où elle est? C'est là-haut. Allez, on y va. Je te suis. Tout va très bien se passer, tu verras. Sois confiant. T'as raison, oui. Je t'aime. T'inquiète pas. Non. Bonjour. Alors, je viens de vérifier. Caleb dort encore, mais il va sûrement se réveiller d'ici une heure. Alors, assurez-vous bien... Qu'il a bien bu son biberon et qu'Alan est prêt pour que je l'emmène à l'école. Je sais. Je sais. Je suis une maman poule. Mais je me dis que... Tu veux manger? Je pourrais retravailler que dans un jour ou deux. Fait. Il va falloir les laisser un moment ou un autre. Ce sera toujours difficile. Oh. Et au fait, je voulais vous demander, c'est quoi exactement votre travail? Oh, je suis archiviste digital. Je travaille pour les musées, les bibliothèques, ce genre d'endroits, et nous archivons leurs collections sous une forme numérique. Vous savez, je suis à peu près sûre que si je ne vais travailler que demain, ça ira. Oh, je vous assure, Faye, ne vous inquiétez pas. J'ai tous les numéros importants, les emplois du temps des enfants, et si j'ai besoin de quoi que ce soit, Alan m'aidera, pas vraiment pote. Et ouais, Jen. Ouais. D'accord, mais je vous en supplie. N'hésitez pas à me téléphoner pour quoi que ce soit. Et toi, chouchou, amuse-toi bien aujourd'hui. D'accord. Génial. Est-ce que t'as faim? Tu veux que je te fasse des œufs? Alors, tu préfères des céréales? Ou un fruit? Kayla? Oui. Je te présente Faye Wells. Faye Wells, voici Kayla Rapp. Faye vient travailler avec nous sur le projet Folio. Génial, ravi de te rencontrer, Faye. Moi aussi, Kayla. Je suis très contente de travailler avec vous. Mesdames, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Oh, et il faut que je te parle à propos des dossiers de Manchurian. Ah oui, bien sûr. Faye, je reviens tout de suite. Assieds-toi. Oui, bien sûr, tout à l'heure. Mais là, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, écoute, en fait... Je t'y prends. Oh. Oh. Je suis désolée, je voulais juste être... C'est la première fois que tu laisses tes enfants avec une nounou. Oui. T'inquiète pas, tu vas t'habituer. Bon, pour commencer, je vais te mettre au courant de tout. Super. Alan? Jen? Jen! Alan! Jen! Maman! Bonjour, oh Faye! Oh, mais vous m'avez fait peur! Vous étiez où? Chez les voisins. Ah, oh, mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas? On a des nouveaux amis qui ont des super jeux vidéo et plein d'autres trucs. Waouh! Génial! Et tu leur donnes le prospectus. Bonjour, salut. Nous sommes les Benson. Je m'appelle Claire et voici mon fils Kyle. Nous sommes vos voisins. Je suis la nouvelle nounou, Jen Russell. Oh, ravie de vous rencontrer. Salut, enchantée. Ah, bonjour. On voulait seulement vous donner ce prospectus pour vous inviter au dîner safari qu'elle organise. Oui, ça a lieu tous les ans avec les voisins du quartier. Chacun apporte quelque chose, on passe d'une maison à l'autre dans la soirée. C'est une formidable opportunité pour les voisins de pouvoir se rencontrer. Je trouve que c'est une excellente idée. Cela dit, je crois pas que moi j'aurai le temps de cuisiner quelque chose. Moi, je peux le faire. J'adore cuisiner, alors. Vous êtes sûre? Oui, c'est pas un problème. Je suis en retard, il faut que j'y aille. C'était super de vous rencontrer. On était ravis. Au revoir. Bienvenue dans le quartier. Oh, je crois que vous avez trouvé la perle. Oui, c'est vrai. Hé hey.
Devine qui a rendez-vous avec Rod Topping à Portland dans 3 semaines tout juste. Mais c'est fantastique. Ouais. Oh, chérie. Qui est Rod Topping? Qui est Rod Topping? C'est juste le créateur et le patron du plus grand empire de matériel de sport du monde entier. Ah, et le casque que votre société a produit pourrait l'intéresser? On ne le produit pas encore, c'est un prototype. Mais attendez. Oh non, ils sont tous tombés. Bon, je vais t'aider à l'armée. Regardez, le voilà. Je vous présente le Spartan 3000. Vous voyez là, à l'intérieur, il y a des capteurs de sécurité sur tout le pourtour. Ah, cool. Ouais. Est-ce qu'il est prévu en rose? Ah non. Chérie, je crois que tu vas finir par être en retard. Oui, tu as raison. Bonne Bisous. Journée. Ciao, mon pote. Au à tout à l'heure. Papa. Tu seras sage, hein? Oui. Parfait. J'y vais. Salut. Jen, je rentrerai tard ce soir. Il n'y a pas de souci pour vous? Non, non, aucun problème. N'oubliez pas que vous avez la petite fête avec les voisins ce soir. Moi, j'ai presque tout ce qu'il me faut. Je vais juste acheter quelques trucs au supermarché. Très bien. Attendez. Je crois que je peux vous déposer. C'est sur ma route. Ah, parfait. Tu viens avec nous, Alan? Allons-y. Jen, j'ai oublié de vous donner de l'argent. Oh, merci. Bien, bien. Alexa? Je suis désolée, vous faites erreur. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Oh, excusez-moi. Vous ressemblez à quelqu'un que je connaissais. Ça m'arrive tout le temps. C'est incroyable. J'ai sûrement un visage banal. Je crois que vous allez être en retard. Vous devriez partir maintenant. Oh. C'est bon, j'ai trouvé tout ce que je voulais. D'accord. Merci pour tout. Il dort, regardez. Oh, mon bébé, je l'adore. Bon, à ce soir. Soir. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Je te jure, Alexa, je savais pas que tu vivais ici. Je te promets que je dirai rien. T'as intérêt. On sait tous qu'un accident est vite arrivé. Je ne vois pas. Peut-être qu'il est de ce côté-là. Je vois pas non plus. Et si on allait voir de l'autre côté? Oui, je crois qu'il est rangé là. Ah. Salut, Tim. T'as eu mon message pour la petite fête de ce soir? Je crois qu'il faudrait vraiment que l'un de nous deux y soit. Hey, on se connaît pas. Bonsoir. Enchanté, que du oui, baisse. Oui, c'est vraiment génial, c'est voir. Excusez-moi. Enfin, vous avez vu la façon dont j'ai disposé les meubles? Je voulais vous faire une surprise, j'espère que ça vous plaît. Je trouve que ça crée tout d'un coup une chouette ambiance. Non, vous savez, je crois que j'aimais mieux comment c'était avant. Tu t'amuses bien? Ça y est, vous êtes arrivés. J'adore ce que vous avez fait de cette maison. Cette jeune fille, quel ange! Les hors-d'œuvre qu'elle a cuisinés sont absolument divins. Faye et Tim, comment allez-vous? Non, en fait, c'est notre nounou, Jen. Voici ma enchantée, femme, Fête. Je suis désolé. On est content de vous rencontrer. Ces hors d'œuvre sont époustouflants. Il faut vous lui donner la recette. Ah, mais c'est Jen qui a tout fait toute seule. Félicitations. J'adore, vous me donnerez la recette? Oui, Wells, avec plaisir. Tim Wells, j'ai l'impression que je vous connais. Vous êtes un sportif, non? Oui, en fait, j'étais, jusqu'à ce que je sois blessé et que j'arrête. Voilà. J'y vais. Je monte voir si les enfants vont bien. Vous voulez un verre? Oui. Venez. Du coup, ça m'a poussé vers une nouvelle carrière. Je travaille avec une société qui développe un casque de football intelligent. Oui, on a sorti un prototype et j'ai décroché un rendez-vous avec Rod Topping dans 3 semaines. Félicitations, ce vieux Topping fouetté. Désolée de vous déranger. Topping fouetté, mais quelle horreur. Je vous en supplie, dites-moi que c'est un surnom coquin. Non. Topping s'est pris une tarte en pleine figure de la part d'un employé en colère. C'était partout sur Internet. Non, Topping était foudrage. En fait, peut-être que vous devriez éviter d'en parler à votre rendez-vous. Ah oui, vous croyez? Je sais pas, peut-être si. J'en sais rien, peut-être que non. Non. Allez, tout le Merci monde. Pour le conseil. Il est temps de déplacer la fête chez les voisins. On est parti. Suivez-moi. C'est la porte d'à côté. On continue le dîner safari. Excusez-moi. Ah. Mon amour. Ça va? Il est temps d'aller à côté pour les salades ou autre chose? Non, moi je vais rester ici. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour les enfants. Et puis je vais en profiter pour nettoyer un peu avant d'aller me coucher. D'accord. Dis, t'as vu la nouvelle disposition? Oui, c'est Tim, très bien. Tu viens? Oui, une seconde. Oui, je trouve que ça ouvre l'espace. Hein?
D'accord, c'est ton domaine, à toi de décider. J'y vais avec Jonathan, il serait peut-être intéressé pour investir. Et ça, ça pourrait être énorme. D'accord. Tu vois ? Bonne nuit. Bonne nuit. J'entrerai Bonne pas nuit, tard. À tout à l'heure. Génial. Maman, j'ai trop trop faim. Jen, vous êtes debout? Attends une minute. Oui, maman. Jen? Jen? Vous êtes réveillée? Jen? Les enfants veulent leur petit déjeuner. Ah oui, c'est vrai. Oh, en fait, je me sens pas très bien. Vous croyez que vous allez pouvoir assurer toute la journée? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est pas moi. C'est sûrement quelqu'un qui a dû la laisser là hier soir. Ça va aller, je suis sûre. Allez-y, je vais tout remettre en ordre. Vous inquiétez pas. Je compte sur vous. Il faut que j'aille travailler. Le travail fait sur cette carte est magnifique. Oui. Une fois qu'on aura fini ça, quelle est la phase suivante? Eh bien, quand tout sera scanné, on ira présenter le travail à la direction, et en supposant que ce soit approuvé, on passera aux autres collections. Je vois. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a dit qu'elle se sentait pas très bien. Oh, une gueule de bois comme ça, c'est terrifiant. Bonjour, je m'appelle Faye Wells. Bonjour, je m'appelle Faye Wells. Je suis archiviste digitale. J'ai deux garçons, Alan et Caleb. Oh, c'est l'heure, on va déjeuner? Non, il faut que je rentre chez moi. Jen. Mais pourquoi vous portez mes vêtements? Oh, on a joué à se déguiser, j'ai dû m'endormir sans m'en rendre compte. Où sont les enfants? Où est-ce qu'ils sont? Alan? Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! Maman, j'ai rien fait! Je lui ai donné un bain! Oh, je suis vraiment désolée. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je vais faire attention. Faire attention? Vous avez failli tuer Caleb! Jen, à l'évidence, nous ne pouvons plus vous faire confiance avec les petits. Vous devez partir. Mais... Je vais aller où? Je vais me retrouver à la rue. S'il vous plaît, laissez-moi rester ici jusqu'à demain. D'accord, vous pouvez rester cette nuit, mais demain, vous partez. D'accord. Ouais.
comprends. Oui. Merci. Il n'y a pas de babysitter qui soit disponible tout de suite. Ouais, on n'a pas le choix. Moi, je veux pas laisser Jane seule à la maison. Peut-être que je pourrais travailler d'ici, au moins jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Ce qu'elle doit faire d'une minute à l'autre. Ouais. Écoute, il faut que j'y aille. Tu es sûre que ça va aller toute seule, toute la journée? Ouais. D'accord, j'y vais. Appelle-moi. Je t'aime. Moi aussi. Et tu seras sage, hein, mon grand? Oui, papa. À ce soir, les chéris. Alan, Trésor, tu veux bien rester ici un moment? Super, il faut que j'aille vérifier quelque chose. Jen? Jen! Mais c'est pas vrai! Jen! Ouvrez la porte! Jen! J'ai besoin de savoir à quelle heure exactement vous allez partir! Jen, à quelle heure est-ce qu'on vient vous chercher? Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ouvre, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas d'inconnu dans cette maison. Alan, chérie, tu vas bien? Il t'a pas touché, au moins? Très bien. Oui, vous pouvez envoyer quelqu'un au 211 Maple Drive, s'il vous plaît. Un homme que je connais pas s'est introduit chez moi. Non, il est pas entré par effraction. Non, il m'a pas menacé non plus. Écoutez, est-ce que vous pourriez venir? Merci. Vite, Alan, viens, on va chercher ton frère, viens. Ils sont encore là? Ils sont en bas dans sa chambre. Ouvrez immédiatement cette porte! Bon sang, vous êtes qui? Et toi, t'es qui? Bisous, mon amour. À bientôt, ma belle. Hé, hey Jen, où est-ce que vous vous croyez? Vous êtes chez nous. Vous allez dégager tout de suite. Oh. Oh. Vous entendez ce que je vous dis? Pas vraiment. C'est pas vrai! Laissez-moi! Ah. Espèce de pervers! Non, non, je... Non, c'est pas vrai. Ce type est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, elle est folle. Il faut qu'on arrive à la mettre dehors. Tout de suite, et prévenir la police. Qu'est-ce que... Entrez dans la maison, vous n'avez aucun droit de me virer comme ça. Laissez-moi entrer. Non, partez. Vous devez vous en aller. Laissez-moi entrer. Partez. Laissez-moi entrer. Laissez-nous, je vous en prie. Laissez-nous, partez, laissez-nous tranquilles. C'est ma famille. Je vais téléphoner à la police. Allez-vous-en. Trop tard. Quelqu'un l'a déjà fait. Elle n'a pas arrêté de cogner sur la porte et d'essayer de l'enfoncer. C'est parce que je vis ici. Non. Non, plus ma quoi. Si je vis ici, je peux le prouver. Écoute-moi. Regardez, j'ai reçu une lettre, on me l'a envoyée ici.
C'est votre adresse qui est écrite là, madame. C'est parce qu'avant, elle habitait ici, mais maintenant c'est fini. C'était notre nounou et on lui a demandé de partir. Du jour au lendemain, ils m'ont virée sans préavis. Je leur ai dit que je savais pas où aller, mais ils n'ont rien à faire. Tout allait bien, jusqu'à ce que Monsieur Wells commence à me draguer. Quoi ? Et je suppose que Madame Wells était jalouse ou quelque chose comme ça, parce qu'elle m'a demandé de partir. Mais non, c'est un mensonge, tout ce qu'elle raconte est faux. Si, c'est vrai. J'ai vu par la fenêtre Monsieur Wells lui arracher violemment sa serviette de bain. Il vous dit ça uniquement parce qu'il est fou amoureux d'elle. C'est la vérité. Moi aussi, je l'ai vu par la fenêtre. Où est votre mari, madame? Il est parti acheter de nouveaux verrous. On doit les changer, on n'a plus le choix. Madame, je ne peux pas laisser faire ça. Écoutez, je suis conscient que vous vouliez qu'elle parte. Mais le fait est qu'elle a reçu un courrier à votre adresse. Ce qui veut dire que c'est sa résidence. Au regard du code civil, vous ne pouvez pas l'empêcher d'avoir accès à la maison, ni lui retirer la jouissance de la propriété privée. Mais c'est notre maison, c'est chez nous. On a nos deux petits-enfants qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Vous devez demander à la justice de l'expulser, madame. Voulez-vous engager des poursuites contre Monsieur Wells? Quoi? Non. Je veux juste aller dans ma chambre, je me sens pas très bien. C'est sûrement parce qu'elle a encore la gueule de bois. Cette jeune fille a failli tuer mon petit garçon. Madame, vous devez vous adresser à la justice. Je vous suggère de la laisser revenir à la maison et avoir accès à ses affaires. Avez-vous compris? Mais... Avez-vous compris? Oui. Enfin, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'ils peuvent nous forcer à la garder ici? Tim, je t'en supplie, reste calme. Restez calme, mais t'entends sera vu à 1h du matin. Quoi? Quoi? Jusqu'à ce qu'elle s'en aille, reste loin d'elle. Tu dois plus être seule avec elle. Comment ça? Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Tim, elle est allée raconter à la police que tu l'avais harcelée sexuellement. Et Claire, la voisine d'à côté, a dit quelque chose à propos d'une serviette. Non, j'essayais d'attirer son attention. Je l'ai attrapée par le bras et elle a fait exprès de faire tomber sa serviette. Cette fille est cinglée. Dis-moi que tu la crois pas, Faye. Non. Mais... ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi t'as levé la main sur elle. Pourquoi t'as fait ça? Non, je t'assure, ça s'est pas du tout passé comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils m'ont dit qu'on était censé lui donner un préavis de 3 jours. Trois jours. S'il vous plaît, pourriez-vous baisser le son? Tim, chérie, non, n'y va pas. C'est réglé. J'ai plus d'électricité. C'est comme ça. Vous n'aurez plus d'eau, plus de chauffage, plus de nourriture. Vous pouvez vivre ici, mais on va tout faire pour que vous partiez. Tim, tais-toi, elle est en train de filmer. Alan, chérie. Arrêtez d'être méchant avec Ginger. Demain, vous l'aurez, votre préavis. J'espère que ça sera suffisant pour qu'elle parte. Je vais faire du café. Bonne idée. Non, j'ai aucun problème avec ça. Tout va bien. Hé, hey, Jonathan! Une seconde. Tu veux venir essayer mon casque? Non, merci, pas maintenant. Je suis au téléphone. On se voit plus tard. Ouais, ça, sur ce point, je me dis que je suis d'accord. Dans ce cas... on en reparlera.
C'est très bien, non? Elle prend ça au sérieux. Eh, tu veux encore des céréales, Poussin? D'accord. Je peux prendre ça? Oui, bien sûr. Maman, est-ce que cette fois-ci, John John s'en va? Oui, je crois que oui, chérie. Je vous déteste! Alan! Alan, reviens tout de suite. Bah, tu vois, tout ce qu'il lui fallait, c'était un document officiel. Peut-être qu'elle partira enfin ce week-end. Espérons-le. Maman, qu'est-ce que c'est, ça? J'en sais rien, chérie. Viens. Tim! Tim, qu'est-ce qui se passe? Il y a un camion de déménagement. J'en sais rien, il vient d'arriver. Pousse-toi, mon chou. C'est bien. Vous cherchez quelque chose? Oui, Jane Russell. Oui, c'est en bas. Merci. Elle s'est enfin décidée à partir. Excusez-moi, monsieur. Non, pas ça. Ce fauteuil reste en bas. Mademoiselle Russell nous a dit de le prendre. Non, je suis la propriétaire de la maison. C'est à nous. Le fauteuil reste en bas. D'accord, mais il n'y a plus de place. Quoi? De la place, pourquoi? Non, non, non. Désolé, on n'attend pas de livraison. Non, c'est pas pour nous. Quoi? Et il a indiqué ici que ça a été acheté et payé par Jane Russell. La livraison aussi. Elle refait la décoration. Qu'est-ce qui nous arrive? J'en sais rien. Bonjour, je peux vous aider? Timothée et Faye Wells? Oui. Vous êtes assigné en justice. Quoi? C'est ouvert. Elle nous attaque en justice? Pour seulement 20 000 dollars, on efface tout si vous voulez. 20 000, une minute, 20 000, vous êtes folle? C'est ça, oui. Tim, il faut absolument qu'on prenne un avocat. Alan, reste là. Voyons un peu. Effectivement, elle vous poursuit pour ingérence dans la pleine jouissance de sa résidence. Vous vous moquez de moi? C'est elle qui a provoqué tout ce bazar, c'est même pas chez elle. On l'a embauchée comme nounou, on lui a donné une chambre. Aujourd'hui, elle n'est plus notre nounou, elle doit s'en aller. Oui, ça paraît évident, mais dans cet état, c'est différent. Les lois sont vraiment favorables aux locataires. Je ne laisserai jamais quelqu'un dormir sur mon canapé et encore moins s'installer. Une fois la personne installée, c'est très difficile de la faire partir. Maintenant, je suppose évidemment qu'elle n'a rien fait d'illégal dans votre maison. Non. C'est dommage. Sinon, on aurait réussi à avoir une expulsion accélérée. Bien. Je vais vous parler en toute franchise. Cette histoire peut être très, très coûteuse. Je pense que vous devriez y réfléchir. Peut-être payer ce qu'elle vous demande. Je ne lui donnerai pas un sou. Monsieur Alden, on a à peine de quoi pouvoir vous payer, vous. D'accord. Je comprends votre situation. Voyons. Vous lui avez déjà donné son préavis de 3 jours. Ça, c'est bien. L'étape suivante, c'est porter plainte pour occupation illégale. Et dans un mois, à peu près, nous aurons l'audience. Un mois? Et on est supposé faire quoi en attendant? Elle va rester vivre chez vous. Et vous devrez subvenir à ses besoins essentiels, tels qu'ils ont été définis quand vous l'avez embauchée, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, la nourriture. La nourriture? Pourquoi? Bon, peut-être pas la nourriture, mais tout le reste, oui, pour éviter qu'elle ne se plaigne. C'est à prendre au sérieux, d'accord? C'est très sérieux. Selon la loi, elle est toujours votre locataire. Non. Ce qui veut dire qu'il vous est formellement interdit de faire des actes coercitifs afin de la pousser à partir. Vous me suivez? Vous devez la laisser tranquille, à moins que vous ne vouliez finir par lui céder votre maison. Tout ça est absolument ridicule.
ferais peut-être mieux d'emmener les enfants chez ta mère. Seulement jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Non, tu plaisantes. Oh, je sais. Mais j'ai la présentation du projet à la bibliothèque à préparer. Et toi, tu dois partir à Portland dans très peu de temps. Donc je me disais que ça aurait pu être plus facile. Plus tranquille aussi pour tout le monde. Oui, peut-être que t'as raison. Je téléphonerai à maman demain et on les déposera chez elle à la fin du week-end. Je préfère qu'on lui dise rien sur ce qui se passe ici. Ça ferait que l'effrayer. Elle a pas besoin de ça. Ouais, t'as raison. On lui dira que les enfants la réclament sans arrêt. Si tu veux. Je veux. Bonne nuit. Bonne nuit. Viens dans mes bras. Oh. Qui commence? Qu'est-ce qui va se passer? Toi, vas-y. Vas-y, là, tu peux pas la rater. Ça doit l'avoir facile. Mange-la. Ah, c'est toujours pas doué. Oh, je suis pas très doué. Oh, wow, un coup de maître. J'y vais. Merci. La charge de revanche. Oh. Comment ça va, maman? Bon. Ah. Vous approchez pas de lui. Je le remettais juste sur son oreiller. Il pleurait. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Fichez le camp. Tout de suite. Tu ne veux pas rester avec ma mère quand on déposera les enfants ce week-end? On n'a aucune raison d'être là tous les deux. Non. J'ai pas l'intention de la laisser nous ficher dehors de chez nous. Regarde. Plein écran. Il dévalise notre frigo? Quoi qu'il se passe, tu descends pas. Vous n'êtes pas censé manger notre nourriture. Pour être malade, on préfère vous la laisser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez mis quelque chose dans la nourriture? Je suis tellement contente. On va sortir les enfants d'ici.
bonne nuit. T'étais tout le temps dans la cuisine. Tu me faisais quoi? rêve pas, je vais pas te faire tes sandwichs. Je te ferai changer d'avis. C'est ça, dans tes rêves. À plus tard. Jen, c'était trop marrant l'autre soir dans la cuisine. Tu sais, quand Madame Wells était morte de trouille face à vous. Ouais, comment tu sais ça? Je l'ai vue grâce aux caméras. Ah, celle qui est planquée dans l'ours en peluche. Il croit que je suis pas au courant. Non, 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 je parle des nouvelles qu'ils ont installées. Quoi? Ouais, il y en a partout dans la maison. Ah. Si tu veux, je te les montre. D'accord. Quelquefois, pour rigoler, je pirate les ordis des gens qui installent des caméras pour surveiller leur nounou. Regarde. C'est complètement flippant. Ils étaient en train de me mater pendant tout ce temps. Les pervers. Ils vont voir, ils vont le payer très cher. Monsieur Topping, messieurs, je vous remercie de m'avoir permis de vous rencontrer. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai été victime d'un traumatisme crânien qui a mis fin à ma carrière de footballeur. Et je pense sincèrement que si j'avais eu un casque comme le Spartan 3000, ça ne serait jamais arrivé. Alors, comme vous pouvez le voir, avec son intérieur gonflable et sa coque flexible... Hé, hey, Tim, je vous arrête tout de suite. Si j'ai accepté de vous recevoir, c'est parce que je suis fan de vous. Merci. Pas tant pour votre carrière de footballeur que pour la façon dont vous avez rebondi juste après votre accident. Nous avons déjà vu ce type de casque flexible des milliers de fois. Alors j'aimerais que vous me disiez autre chose. Je veux savoir si ce casque a quelque chose que les autres n'ont pas. Oui, monsieur. En fait, l'aspect innovant de ce casque, ce sont les capteurs qui sont intégrés dans la doublure. Alors, imaginons que... qu'un joueur soit blessé à la tête. L'arbitre, celui qui est sur la ligne de touche, est informé par ses capteurs de l'intensité de la douleur. D'accord. Comme ça. Attendez. Comme ça, ça sera mieux. Normalement, ça devrait... attendez, je vais regarder. Je vous prie de m'excuser. Prenez votre temps. Elle l'a entaillé. Tim, pourquoi ne pas revenir nous voir quand votre casque sera au point? Je vais vous expliquer. Laissez-moi regarder ce qui se passe. Peut-être que là... Sortez-le d'ici. Fichez le camp. Sortez-le d'ici. Monsieur, venez, suivez-moi. Monsieur, non, ce n'est pas moi, je vais vous expliquer. Une autre fois, allez expliquer ça à votre femme et dites-lui qu'elle a épousé l'idiot du village. Je pense que vous avez les chances de gagner. Elle va se défendre seule, ce qui est une bonne chose pour vous. Je crois que nous avons toutes nos chances aujourd'hui. C'est toujours bien de partir avec un avantage. Notre affaire va se régler très vite. Si vous le dites. Voici la partie adverse. Oh, quelle plaie. Un nouveau juge devrait être... Je crois qu'en fait, elle a pris un avocat. Ce type se fait payer $600 de l'heure. C'est une chance pour notre équipe. C'est une des stars du barreau. Non mais attendez, comment elle peut le payer? Je suis en audience toute la journée. Vaut mieux pas le savoir. Si vous voulez bien, allons discuter ailleurs.
urgent. Voilà comment nous en sommes arrivés à ce blocage. Alors, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que cette jeune femme use et abuse du système à son profit. Attendez. Votre honneur, comme vous le savez, cette jeune femme a été embauchée comme nounou et la fin de son contrat est largement dépassée. Il n'y a aucune raison pour ne pas accorder son éviction de chez les Wells. Je vous remercie. Monsieur Decker, quelle est votre réponse? Votre honneur, ce que Maître Alden oublie de mentionner, c'est que la chambre a été fournie en échange d'heures de travail. Travail pour lequel ma cliente n'a jamais été payée, même pas le minimum légal. En plus de ça, elle a été harcelée sexuellement et mise à la porte. Non, ça c'est pas vrai. Nous avons un rapport de police détaillé selon lequel les Wells auraient illégalement empêché ma cliente de rentrer chez elle. Nous avons aussi la preuve de certaines tactiques d'intimidation à son encontre. Si vous me permettez. Vous n'aurez plus d'eau, plus de chauffage, plus de nourriture. Vous pouvez vivre ici, mais on va tout faire pour que vous partiez. Le plus important, c'est le préavis de 3 jours accroché à la porte de ma cliente. Il n'est pas valable. J'ai ici l'avis d'expulsion accroché à la porte de sa chambre. Comme vous pouvez le voir, il y a un L supplémentaire à Russell. Oui, Russell, qui est le nom de ma cliente. Non, mais c'est invraisemblable. Je n'ai pas le choix. Je décrète que l'avis d'expulsion est nul et non avenu. Vous devrez faire une nouvelle procédure d'expulsion. Une faute de frappe, c'est délirant. Et c'est comme ça que ça fonctionne, je suis désolé. Et nous demandons que les Wells soient condamnés à payer les frais de justice. Requête acceptée. Affaire suivante. Voilà comment elle a embauché l'avocat. C'est vous qui payez ses frais de justice. C'est pas possible, on va pas encore vivre ça pendant 6 semaines. 6 semaines? Tim, Ken disait qu'elle pouvait faire traîner ça encore un an. Et il a pas dit qu'on pourrait la faire partir plus rapidement si elle fait quelque chose d'illégal chez nous? Non, oublie ça tout de suite, Tim. Oubliez quoi? Hein? On est prisonniers dans notre maison. On n'ose plus avoir nos enfants chez nous. On n'ose plus acheter de la nourriture. Je pense qu'il faudrait la payer et qu'elle s'en aille. Et la payer avec quoi? Hein? Tu viens de perdre ton travail. Je suis sur le point de perdre le mien. Et regarde toutes ces factures qui s'entassent à cause d'elle. Pourquoi on ne vendrait pas la voiture alors ou... Bon, d'accord, oui, vendons la voiture. Et pourquoi on ne vendrait pas la maison? Ou encore mieux, pourquoi on ne lui donnerait pas? De toute façon, dès le départ, je ne voulais pas vivre ici. Dis-moi, j'ai l'impression que t'as gagné, non? Et c'est un peu grâce à moi, non? Je veux dire que... Que je t'ai fait voir les caméras et je t'ai permis de foutre en l'air la présentation de Monsieur Wells. En quelque sorte, tu me dois quelque chose. Kyle, il faudrait que t'en fasses bien plus que ça si tu veux espérer que je te remercie. Mais en fait, t'es une véritable garce. Tu fais semblant d'être sympa pour avoir ce que tu veux, mais... J'y pense, tu sais... Je pourrais aller leur raconter ce que je sais sur toi. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu irais leur dire? Je sais pas mal de choses sur ce mec flippant qui est ton petit ami. Genre que c'est un dealer et qui te file sans arrêt de la drogue. Je ferais pas ça si j'étais toi. Pourquoi? Ça vaut mieux pour toi. Fais-moi confiance. D'accord. Pouvez-vous... Non, attendez, ce n'est pas cette personne à qui j'ai parlé. Non, je... Non, je n'ai pas le temps d'attendre. Ça fait trop longtemps que ça dure. On est là depuis des semaines et notre courrier n'est pas arrivé. Et maintenant, je suis vraiment très en colère parce que... Parce que j'en ai assez de perdre du temps à cause de vous. 211 Maple. J'ai très envie d'écouter de la musique. Très bien, je ferai ça. Hé, hey, Tim. Salut, Kyle. Ce mec, je trouve qu'il est grave flippant. J'arrive pas à croire que vous le laissiez rentrer chez vous. Ouais, mais j'ai pas le choix.
Oui, je sais, elle fait absolument tout ce qu'elle veut tout le temps. C'est une vraie garce. Et elle est bien accro. Dans tous les sens du terme. Comment ça, est-ce drogue ? Ouais. Vous n'étiez pas au courant ? C'est connu, Stipe, c'est un dealer. Il lui file toujours quelque chose à sniffer, fumer ou autre. Réfléchissez un peu. Vous arrivez à croire qu'elle sort avec lui pour ses beaux yeux ? C'est dingue. Allez. À toutes. Non, vous n'abîmerez pas l'épreuve. Je vous ai eu et j'appelle les flics tout de suite. Une activité illégale, ça permet une expulsion sur le champ. Laissez-moi entrer dans ma chambre, c'est ridicule. Non, pas du tout, il n'en est pas question. Oh merci, vous êtes là. Il m'a filmé à moitié nue et il veut pas me laisser rentrer dans ma chambre. Non, c'est n'importe quoi, elle a de la drogue sur sa table de nuit. Je l'ai vue en prendre, elle s'est piquée avec une seringue. Je l'ai vue, j'ai tout filmé avec mon téléphone, regardez. Voilà. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites là ? Non, vous n'abîmerez pas l'épreuve. Je vous ai eu, j'appelle les flics tout de suite. Une activité illégale, ça permet une expulsion sur le champ. Laissez-moi tranquille, sortez ! Ouais. Va voir si tu trouves quelque chose. Oui, allez-y. C'est là, sur la table de nuit. Tout est là. Approchez. C'est tout ce que j'ai trouvé. Vous parlez du médicament pour mon diabète. On vient de me le prescrire la semaine dernière. Je peux même vous montrer le reçu de la pharmacie pour mon ordonnance. Quoi ? Non. Monsieur Wells, vous réalisez que c'est de l'insuline. Vous l'avez filmé en sous-vêtement et en plus vous vous êtes introduit dans sa chambre. Non, je l'ai vu sur son lit. Sortez-le d'ici. Avec son petit ami dealer. Elle avait une seringue dans le bras. Ils étaient assis sur le lit. Vous avez le droit de garder le silence. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ? Non, merci. C'est gentil d'être venu. Vous êtes en train de faire une erreur. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe ici. Cette fille est folle. Montez. On voit ça tout le temps. J'arrive pas à croire qu'il est venu dans ma chambre et qu'il m'a filmé. Je veux une ordonnance restrictive. Je veux plus qu'il s'approche de moi. Tim, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tim, qu'est-ce qui s'est passé ? Madame ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous demander de reculer. Qu'est-ce que tu fais dans cette voiture ? Reculez, madame, s'il vous plaît. Je vous demande de reculer. Pourquoi est-ce que je vais vous demander de reculer tout de suite, madame ? S'il vous plaît. Dire que ta petite performance était vraiment très utile. J'en suis ravi. Alors ? Ouais. Voilà. Je rappellerai plus tard dans l'après-midi. Merci. Pas de souci. Écoutez, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais il va avoir besoin d'un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires. Je vais être franc avec vous. Vous devez vous préparer à un procès qui peut être lourd. Elle va certainement vouloir vous poursuivre au pénal. J'ai souvent vu ce scénario dans le passé. C'est très courant. Ce qu'elle cherche depuis le début, c'est obtenir un gros paquet d'argent. Ce que je voudrais... C'est que vous me disiez
Quand il va enfin rentrer chez nous? Il ne reviendra pas chez vous. Sa mise en accusation aura lieu demain, mais elle a demandé une mesure d'éloignement contre lui. Il lui est interdit d'approcher de la maison. Voilà. Écoutez, je sais que c'est très difficile pour vous. Mais tout va finir par s'arranger, je vous le promets. Ayez confiance. Bonsoir, Faye. Oh. Venez vous joindre à nous. Non? Oh, pauvre Faye. Vous auriez dû payer ce que je voulais. Ensuite, je serais partie. Mais maintenant, j'adore ici. Avec toutes les vieilleries de grand-mère. Et Faye, on n'a presque plus rien à boire. Pas d'inquiétude, je vous l'ai déjà mis sur la liste. Allez, vas-y, Alan. Mange. Toi aussi, Tim, mange. Merci, grand-mère. Oui, merci, maman. Merci de nous accueillir chez toi. Oh, chérie, j'adore quand vous êtes ici. Je voudrais que Faye puisse venir aussi. Papa, où est maman? Maman est à la maison, mon chou. D'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite, d'accord? Mais tu manges tes pancakes d'abord? Allez, mange. Est-ce que tes pancakes sont bons? Tim, tout va bien? Oui, je voudrais bien savoir pourquoi tu ne rejoins pas. Il y a plein de places. Fais, je t'en supplie, change d'avis, rejoins-nous. Les enfants aimeraient que tu sois là, et moi aussi. Je veux pas que tu restes... Toute seule à la maison, c'est pas prudent. Oui, mais il faut que je sois présente. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Et toi, t'as pas le droit d'y être. Je sais très bien, je suis désolée, je t'assure. C'est que... C'est toi qui avais raison depuis le début. Elle s'est servie de moi. J'ai réfléchi, on va régler cette histoire avec elle. Écoute, on va vendre tout ce qu'on a pour qu'elle s'en aille. La voiture. La maison, s'il le faut. Ta cousine a toujours rêvé de la voir. Alors peut-être qu'on pourrait lui vendre. C'est trop tard pour ça. T'as pas compris? Même si on voulait, c'est impossible de la vendre maintenant. Personne ne l'achètera avec une locataire comme Jen. Pour qu'elle parte, on va devoir la traîner en justice. Fais, écoute. Non, il faut que j'y aille. Tu veux jouer? Eh bien, cette fois, le dossier a l'air parfaitement conforme, et puisque Mademoiselle Russell n'a pas pris la peine de se présenter aujourd'hui, je ne vois aucune raison de ne pas prononcer l'expulsion. Votre Honneur, je suis vraiment désolée, mais le bus était en retard. Laissez-la. Mademoiselle Russell, c'est gentil à vous de faire une apparition, mais malheureusement, c'est trop tard. Je viens de confirmer au Wells votre expulsion. Mais Votre Honneur, j'ai ici la preuve que je suis en faillite personnelle. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Votre Honneur, s'il vous plaît, Mademoiselle Russell essaie de jouer avec le système. De toute évidence, elle s'est déclarée en faillite personnelle afin d'éviter l'expulsion. Elle a obtenu ce papier il y a déjà plusieurs semaines. Je suis désolée, mais à la lumière de ce nouvel élément dans le dossier, je n'ai pas d'autre choix que d'admettre une interdiction d'expulsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je comprends. Je suis désolée, elle a réussi à trouver une faille. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Il va falloir recommencer toute la procédure. Je ne comprends toujours pas. La faillite personnelle donne aux locataires certains droits que normalement ils n'auraient pas. Émet un arrêt immédiat à toute expulsion. Et alors, quand est-ce qu'on pourra la mettre dehors? Elle va partir quand? C'est relativement difficile à dire. Nous déposerons une motion auprès du tribunal des faillites pour lever l'arrêt, mais d'après mon expérience, c'est encore au moins 2 mois. Oh, quoi? Fais. Attends, viens ici. Attends-moi. Non, mais j'en peux plus. Ma chérie. Pourquoi tout ça, ça nous arrive à nous? C'est toi. Viens, ma chérie. Moi, je voulais seulement donner à nos enfants une jolie maison. Oui, je sais. Je sais, respire. C'est juste. Calme-toi. Respire. Mais non, Tim. Ça fonctionnera jamais. Fais, écoute-moi, je crois que ça pourra le faire. Ken m'a parlé d'une société spécialisée dans ce genre de choses. Ça s'appelle du dumping. Ils paieraient notre maison en dessous du prix, mais Jen deviendrait leur problème. Tim, j'ai grandi dans cette maison. Je peux pas.
Je peux pas supporter qu'elle m'en prive. Qu'elle en prive toute notre famille. Écoute, je sais que c'était la maison de ta grand-mère, mais... Souviens-toi, elle a toujours dit que la famille était la chose la plus importante dans la vie. Et elle aurait compris. D'accord. Fais ce que tu penses être le mieux. Merci. Ah, je suis désolée. Je connais quelqu'un qui a le même tatouage que vous. Il est sûrement très commun, vous savez. Non. Non, là, c'est exactement le même tatouage. Et exactement au même endroit. Betsy ? Est-ce que tu pourrais finir avec madame, c'est l'heure de ma pause ? Non. Non, attendez. Il faut vraiment que je vous parle. Je n'ai pas le temps de vous parler. Soyez gentil. Je voudrais seulement que vous me parliez une minute. Je vous en prie, ça prendra rien. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Écoutez-moi. Il y a quelques mois, je suis venue ici avec ma nounou. Et ce jour-là, vous l'avez appelée d'un prénom différent. Et je me suis dit que peut-être vous saviez... Non, je ne me souviens pas. Je suis vraiment désolée. Mademoiselle, s'il vous plaît. C'est très important. Si vous savez quoi que ce soit... Je ne sais rien du tout. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Si Alexa sait que je vous ai dit quelque chose, elle me tuera. Alexa. J'ai tout ce qu'il faut. On se retrouve à l'agence immobilière à 9h. Ouais, à tout à l'heure. Je vais être en retard. Il faut que je passe au supermarché. Je pense que je connais quelqu'un qui sait qui est vraiment Jane Russell. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ta voiture. Même pas en rêve. Déjà, j'ai vu comment tu conduisais, donc pas question. Et puis, avant que tu me menaces, n'oublie surtout pas que t'as couché avec un mineur. Ce qui, je crois, est considéré comme un délit. File-moi les clés. Quoi, tu veux me tuer avec ton poignard? Oh! Oh, qu'est-ce que t'as fait? Tu vois, t'aurais dû me donner les clés. Allez, viens, on y va. Ah, je peux plus bouger mon bras. Laisse-moi. Oh, bouge-toi, allez. Rien, je te jure. Avance. Oh. Allez, en route pour une petite balade. Jane, il faut que je trouve un docteur. Bien sûr, on va y aller. Allez, monte. Non, mais je vais pas aller là-dedans. T'entends ce que je te dis. Grimpe dans ce coffre. D'accord. Jane, sans déconner. Jane, je t'en prie, laisse-moi sortir. Tu la fermes. Salut, Ren. Il faut qu'on parle. J'ai du travail, Alexa. Je ne peux pas. Monte dans la voiture. Et voilà pour vous. Merci. Merci. Passez une bonne journée. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Je cherche une fille qui travaille ici. Elle a un papillon tatoué sur son poignet. Ah ouais, celle qui est pas là. Vous devez vouloir parler de Ren. Ren? Ren Roulan. Ouais, elle est partie pour sa pause et elle est jamais revenue. C'est gosse. Est-ce que par hasard, vous savez quelque chose sur Rouen? D'où elle vient? Où elle habite? Elle vient d'une petite ville, pas loin. Sugar Grove.
Sugar Grove, merci, merci infiniment. De rien. Et si vous la voyez, vous pouvez lui dire qu'elle est virée. Bonjour. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Je travaille à l'étage du dessous et je suis à la recherche d'une jeune fille qui vivait dans une petite ville près d'ici. Sugar Grove, je crois que c'est ce nom-là. Je sais que son prénom, c'est Alexa et je suppose que c'est là qu'elle allait à l'école. Est-ce qu'il existe une sorte de fichier où je pourrais trouver tous les noms des anciens élèves de la région? Oh non, j'ai bien peur que nous n'ayons pas ça ici. Mais... par contre, je sais que nous avons tous les exemplaires des annuaires de la ville. Vous pourriez remonter jusque environ 1950. Bah, en fait, je sais qu'elle était amie avec une fille nommée Rowan Rowland. C'est cette fille-là. Ah oui, je la reconnais. C'est une jeune fille qui était impliquée dans l'incendie d'un foyer. Il y a 5 ans, ça a été terrible. Un incendie? Et on a découvert qu'une adolescente avait mis le feu à son foyer pour jeune fille rebelle. Est-ce que vous connaîtriez le nom de cette jeune fille? Malheureusement, non. Et laissez-moi réfléchir. Je crois que vous pourriez regarder les articles des journaux de cette période. Je sais que nous les avons sur microfiche dans les services administratifs. Suivez-moi, je vous montrerai. C'est très gentil. Merci. Nous y sommes, c'est là. Merci beaucoup. Et si ça peut vous aider, c'était il y a 5 ans. Je suis à peu près certain que l'incendie a eu lieu pendant les mois d'été. Vous devriez commencer vos recherches par... juillet et août, il y a 5 ans. Je vais faire ça. Bonne chance. Alexa Dodge. Je vous en prie, jetez un coup d'œil sur cette photo. Vous pourrez voir que c'est la même jeune fille que celle qui vit dans ma maison. Je n'en sais rien, madame. Je n'ai pas que cette affaire à traiter. Regardez une seconde. S'il vous plaît, regardez le tatouage qu'elle a sur son poignet. Je vous assure que Alexa Dodge est Jen Russell. Son amie au supermarché l'a appelée par ce prénom. Et quel est le nom de cette amie? Rowan Rowland. Elle travaille au supermarché, mais je crois qu'elle n'y est pas aujourd'hui. Je vais regarder ça. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on est, Alexa? On se croirait dans le désert. Arrête de dire ce prénom! Je t'ai dit qu'Alexa, c'était terminé. Désolée. Écoute-moi, je t'assure, j'ai rien dit à cette femme. Je lui ai rien dit. Laisse-moi partir et je ne reviendrai plus jamais dans sa ville. Ok, ça va. Ça va, je te crois. La seule chose, c'est... que tout ça n'a plus aucune importance! Lâche le volant! Alexa, arrête tout de suite! Tu me lâches ce volant tout de suite! Votre maison a été inspectée. Il n'y a personne à l'intérieur. Nous laissons une voiture de police en face au cas où elle reviendrait. Merci. C'est bon, vous me croyez maintenant? Nous avons relevé ses empreintes et nous sommes sûrs que Jen Russell est effectivement Alexa Dodge. Et elle est recherchée pour incendie criminel et homicide. Donnez-moi une seconde. Nous avons eu un appel d'une voiture de patrouille. Je crois que nous avons trouvé les jeunes que vous cherchez. Nous avons identifié Alexa Dodge. Elle est morte dans un accident de voiture. Bien reçu. Vous pouvez être assurée, Madame Wells. Ils ont trouvé Alexa Dodge. Elle est décédée. Elle est morte? Un accident de voiture. On a aussi retrouvé votre voisin Kyle Benson. Il a été gravement blessé. Mais il a pu nous parler. Jen lui a volé sa voiture et elle est responsable de l'accident. Oh, ça alors.
Excusez-moi, mais il faut que j'aille téléphoner à mon mari. Je peux lui dire qu'il revienne tout de suite à la maison avec les enfants. Bien sûr. Ah, oh. Oh, merci. Viens ici, mon poussin. Viens me voir. Dis, maman, c'est fini, on peut rester à la maison avec toi? Bien sûr, vous restez là, chérie. C'est votre maison, ici. Je peux avoir encore de la glace, s'il te plaît? Ouais, je vais te chercher une autre boule. T'as entendu? Entendu quoi? Non, c'est pas grave. Regarde ce que maman a dans les mains. Alan, mon chéri, t'es prêt à aller te coucher? C'est bien. C'est sûrement un fusible. Je vais aller vérifier tout de suite. Tout va bien, mon amour. C'est sûrement un fusible qui a sauté. Salut. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est ce qu'elle a dit, Jen. Jen, tu veux dire quand elle était ta nounou? Mais, chérie, on t'a expliqué tout ça. Elle reviendra plus, elle est partie. Elle était juste derrière toi. Alan, viens, on va vite chercher papa. Peut-être votre faute, Faye. Vous auriez seulement dû me payer ce que je voulais, comme tous les autres. Mais non. Vous avez préféré aller fouiller dans mon passé. Et maintenant, vous allez payer. Vous adorez tellement cette maison. Vous savez quoi? Vous n'aurez jamais à la quitter. Ni vous. Ni Alan. Où est Caleb? Non! Je vous en prie, Jen.
Alexa, pas les enfants. Laissez les enfants tranquilles. Ils n'ont rien fait de mal. Qu'est-ce que t'as? Mon petit Alan. Allez, c'est pas grave. Tu vois, c'est une bonne leçon à apprendre, Alan. La vie est injuste. Par exemple, regarde-moi. J'ai jamais rien fait de mal. Et pourtant, ils m'ont déplacée d'un foyer d'accueil à un autre foyer, et encore à un autre, et c'était... comme dans un dîner safari. Alexa... Sauf que c'était ma vie. Alexa, je sais... Je sais que c'était pas juste. Je vais tout arranger. Je vous céderai la maison, je ferai tout ce que vous voulez. Vous vous imaginez que je suis aussi stupide? Y'a que des merdes dans cette maison. Où sont les trucs de valeur, vieille peau? Tu sais pas? J'en sais rien. Tu sais très bien où c'est. Non, je sais pas. Ah ouais? D'accord, je sais ce que vous voulez, je sais, c'est en bas. Les pièces de collection de ma grand-mère, c'est en bas, je vous en supplie. J'en étais sûr. Et j'espère pour toi que tu me racontes pas de conneries. Non, c'est là, je vous jure, c'est vrai. Vous êtes en sécurité. Sam! Alan! Laissez-le! Tout est votre faute, fait! Vous auriez dû m'obéir, c'est tout! Je ne laisserai pas m'attraper encore une fois! Laissez Alan s'en aller! Vous comprenez rien! J'ai aucun endroit où aller, c'est fini! Tout est fini pour moi! C'est pas vrai! Tout va très bien se passer, je vais vous aider, faites-moi confiance, je vous en prie. Alexa Dodge, jetez ce couteau. Alexa, laissez-le. Je vous en prie, laissez-le partir. Oh, vas-y, faut rejoindre les policiers en bas. Jamais aimé comme ça. Personne n'a jamais aimé. Non. Non, Alexa. Non, ne faites pas ça, Alexa. Non. Je vais en finir. Oh mon Dieu. Mais ma mère m'a jamais aimé.
Mais c'est pas vrai. Je vous assure. Ma mère adoptive m'a dit que ma maman n'attendait qu'une chose, c'était se débarrasser de moi. Non. Dès le départ, c'était raté. Non, Alexa. Votre mère vous adorait, mais elle est tombée malade. Elle a été obligée de vous abandonner, elle ne pouvait plus s'occuper de vous. Vous mentez. Mais c'est vrai, je vous dis la vérité, je peux même vous le prouver. J'ai des preuves, je vous en supplie. Ah ah. Non, vous ne laisserez pas tomber. C'est fini. Vous ne risquez plus rien. Vous revenez de loin. Elle est très dangereuse. Oui, c'est sûr. Elle a fait de notre vie un enfer depuis des mois. J'aurais jamais cru que ça pourrait Alexa. Aller jusque-là. Je vous enverrai l'article sur votre mère. Vous comprendrez tout. Les choses vont s'arranger. Allez, on y va. Alors, on retourne habiter près de chez grand-mère, dans une autre maison? Oui, Trésor. On a vendu la maison à ma cousine et à son mari. Et on va aller vivre près de chez grand-mère, dans une plus petite maison. Et Jen, elle va aller vivre où? Jen va avoir l'aide dont elle a besoin. Elle va avoir une chambre pour elle toute seule. C'est chouette, hein? Nothing so dark, nothing so bright.